montrer que nous sommes des chrétiens. If God knows that we are Christians, nous demandons au fond que nous prions. That we are praying. Mais les gens sont fatigués. But people are tired. Bien aimé, les gens ne veulent plus entendre que nous prions. Beloved, people don't want to hear. Les gens ont besoin de voir ce que Jésus est capable de faire dans notre vie. People need to see what Jesus is able to do. Si nous venons à l'église, prêcher, crier et danser, rentrer à la maison avec le même problème. With the same problem. Bien aimé, nous ne sommes pas différents des professeurs d'université. Beloved, we are just like. Et aussi, dans l'histoire, après tout le monde rentre chez eux. And just like history, mais nous ne sommes pas des professeurs d'université. But we are not teachers. Nous ne sommes des personnes que Jésus a dotées d'une onction supérieure. We are people fulfilled of a supernatural. Comme l'apôtre a dit, je n'ai ni argent ni or. Just like the apostle said, mais I have ce no que je fais, je te donne, lève-toi au nom de Jésus. I'm to you, ah, je prie que ta vie se lève ce matin. Je prie que ta vie se lève ce matin. Je prie que la destinée se lève ce matin. Parce que celui qui t'a créé a dit, vous serez la tête et non la tête. À partir d'aujourd'hui, je vais annoncer une personne. Tu ne resteras plus la tête. Parce que je parle à quelqu'un. Tu ne resteras plus la tête. Toutes choses dans ta vie montent dans les hôtels. Donne-moi la même que cette prophétie s'active dans ta vie. Est-ce que Jésus est élevé? Est-ce que Jésus est élevé? Je suis élevé non parce que nous chantons. Non parce que nous faisons comme ça. Jésus est élevé. Lorsque les gens regardent ta vie, les gens comparent ta vie passée et ta vie présente. C'est que les gens voient en toi. Tu seras les gens à dire que Jésus est élevé. Non, je veux dire à quelqu'un que mon Dieu t'accorde des signes. Que mon Dieu t'accorde les signes. Que mon Dieu t'accorde les signes. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Faites attention, nous sommes en France. Les Français ne croient pas aux paroles. And French don't think about the word. Et bien maintenant, amen. Et ils ont besoin de preuves. Nous prions un Dieu vivant, où sont les preuves? We are praying a nous prions un Dieu qui agit, où sont les preuves? We are praying a God which is tu sortiras avec les preuves de Dieu. Je dis que tu sortiras avec les preuves. Nous avons un Dieu qui peut te ramasser à rien. Qui peut te prendre à l'au-delà. Et qui peut transformer ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous savez que toutes personnes qui sont rentrées malades ici sont guéries? Si tu crois la Bible, elle déclare rien n'est impossible à Dieu. Nous ne prions pas d'un Jésus passif. Un Jésus qui est passé par les événements. Nous prions un Jésus qui est vivant, conscient de sa toute puissance. Un Jésus conscient de sa toute royauté. Quand il descend quelque part, les choses changent. Quand il descend quelque part, les maladies sont guéries. Quand il descend quelque part, les choses changent. Est-ce que tu crois en ce Dieu? Est-ce que tu crois en ce Dieu? Est-ce que tu crois en ce Dieu? Tout est possible à celui qui croit. All the things are possible to the one who believes. La prière a besoin de la foi, mais la foi n'a pas besoin de la prière. The prayer needs the faith, but the faith does not need any prayer. C'est la prière qui a besoin de la foi. It's the prayer who needs the faith. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses être une femme de foi. Today, I would like you to be a woman of faith. Je ne veux pas rentrer avec tout ce que Dieu m'a donné pour toi. I don't want to leave and go back home with all the things. Nous sommes en train de parler si Dieu va tourner le page de ta vie. We are talking about the fact that God will turn the page of your life. Oh, c'est trop. Beloved, that is enough. 5 ans, 10 ans, les gens te connaissent toujours. La même chose se répète dans ta vie. 5 years, 10 years, the same thing is happening. Toujours maladif. Always. Toujours malheureux. Always in fortune. Mais le temps est arrivé. But the time has come. Quand nous avons décidé de quitter nos maisons. When we decided. De vraiment, Seigneur, nous sommes pas venus rencontrer la porte de Satan. Nous sommes venus pour que quelque chose passe dans nos vies. But we pray for something to happen in our life. Partout Jésus guérissait les malades. Whenever Jesus, lorsqu'il arrivait, il posait une question. He was asking, veux-tu être guéri? Would you like to be healed? Est-ce que quelqu'un veut être délivré? Est-ce que quelqu'un veut être élevé? Est-ce que quelqu'un veut être guéri?
Dieu a besoin de ta permission pour te guérir, non? God needs agreement to heal you. Message que nous avons corps en esprit. But know that we have soul and spirit. C'est la chambre qui est dédiée à l'homme lui-même. Si tu ne décides pas, Dieu ne va pas. Ne regarde pas ce qui s'est passé. Don't look at what happened. Tiens, celui qui est à ton côté, aujourd'hui son nouveau jour. Tell to your neighbor that today is a new day. Pas dans le passé, tu seras dépassé. Don't stay in the past. Crois aujourd'hui que quelque chose peut passer. Crois aujourd'hui que cette situation qui te fait mal peut passer. Crois aujourd'hui que cette vie de terre peut s'arrêter. Crois aujourd'hui que... Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois aujourd'hui que c'est le mariage que tu cherches Dieu peut te donner. Crois aujourd'hui. Crois aujourd'hui. Est-ce que je parle à une personne? La Bible nous parle d'Abraham. Écoute. Listen. Abraham, père de la foi. The father of the faith. Mais c'est qui ce monsieur père de la foi? But who is this mister? Je vous ai dit l'histoire d'Abraham ne commence pas au verset 12. Je vous ai déjà dit ça. L'histoire d'Abraham commence au verset 11. That the story of Abraham is starting at the chapter 11. Abraham, son père s'appelle Terach. His father is named Terach. Terach allait vers Canaan. C'était pas Abraham qui partait à Canaan, c'était Terach. The father Terach was going to Canaan. Mais Terach n'est pas arrivé là où il partait. But he didn't arrive what il he was going to. Chemin. He died. Nous sommes en train de constater déjà la malédiction qui était dans la famille d'Abraham. And we are seeing the unfortunate one. Il vit qu'on commence les choses mais ça finit toujours mal. Il vit qu'on commence les choses mais ça finit toujours mal. Il est à l'âge des gens morts. Mais toi tu es Abraham de notre époque. À chaque fois que tu commences quelque chose, la finalité a été toujours malgré. À chaque fois que tu arrives quelque part, la finalité est toujours malgré. À chaque fois que tu veux commencer le commerce, il y a toujours une finalité malgré. Je vais le dire à une personne. Chaque chose a son temps. C'est lui qui peut arrêter cette malédiction et avec nous ce matin. Est-ce que quelqu'un entend? C'est lui qui va arrêter cette malédiction et là. Plus question de commencement, non. La Bible est libre de la fin d'une chose que son commencement. Même si tu avais commencé mal, mais tu finiras bien au nom de Jésus. On ne parlera plus au commencement, on finit mal. Il y a des familles comme ça. Il y a des gens comme ça. Tout ce qui commence dans sa vie, ça donne vraiment l'idée de grandir ou d'évoluer, mais à la fin. At the end, it's always ça peut être dans les affaires. It could be the ça peut être dans beaucoup de choses. Could be many things. Est-ce que bien maintenant? Mm-hmm. Souvent, les gens qui sont ici avec nous, ils sont mariés. Often people are being married. Vous l'appelez marié? Calling him married. Mais oh, à l'intérieur, il est célibataire. Despite inside. Parce qu'ils se disent, he's single. Je fais saying, quoi ici? What I'm doing here. Laisse-moi rester seulement pour les enfants. Let me just stay here for the child. L'esprit de finalité malheureuse régnait dans la famille d'Abraham. The spirit of bad fortune. Son père est mort du chemin. His father died. Dans cette famille, tout le monde commence des choses mais ne finit jamais. Réclamez-toi au nom de Jésus. Après ce dimanche, essaye de commencer. Il y aura une nouvelle chose. Tu vas vivre de nouvelles expériences. Il n'y aura plus de malheureuses de souffrances. Il n'y aura plus de finalités malheureuses. Mais il y aura des victoires en victoire. La Bible déclare, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez comment ça fait mal? De commencer quelque chose et de finir mal. You know how it's hurting to start. Tu as gardé ton argent, tu as fait des. You kept your money. Des économies, après tu commences des affaires et ça tombe. You have saved your money, start your business. Tu rentres dans les mariages, tu dis, je rentre dans les choses, mais tu te rends compte que tu t'es trompé. And finding yourself that you did a mistake. Quelqu'un m'entend? Mais le Dieu que nous prions, but the God that we are il est capable. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Hier, yeah, a pêché toute la nuit, il a échoué. Peter was in the sea. Il a rencontré ce qu'on appelle aussi le finalité malgré. And he meant to have a bad ending. Mais ce qui est bien avec Pierre, but what I like ce jour où Jésus est venu. Is the day that Jesus came. Dit, Jésus vient dans ma vie. Jesus came in my life. Mais avez-vous que cet esprit s'arrête?
for the spiritual future, you need Jesus. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Pour que tout le monde dans ta famille puisse réussir. For anybody, vous avez besoin de Jésus. Arrêtez de prier les dieux qui sont morts. Arrêtez de prier les dieux que nous connaissons les tombes. God that we know the grave. Mais priez les dieux qui a vaincu la mort. But you need to si il a vaincu la mort, il peut vaincre les célibats de ta vie. Si il a vaincu la mort, il peut vaincre la maladie de ta vie. Si il a vaincu la mort, il peut vaincre tout ce qui te dérange. Depuis maintenant, nous sommes toujours, nous sommes en train de faire des constats. La Bible dit, Abraham vient d'épouser une femme au nom de Sarai. He just getting married with a woman named Sarai. La femme était stérile. And she was infertile. Depuis maintenant, la femme était stérile. Vous voyez dans la vie d'Abraham. You see the life of Abraham. Comment la malédiction agit? How the curse is doing? Son père est mort. The father was dead. Lui, les ennemis de la famille se sont séparés. And the whole la division est rentrée dans la famille d'Abraham. The division come into the family. Je veux dire à une personne qui est venue ici. I would like to say to someone coming here. Ne permet pas la division dans ta famille. Don't allow the division in family. Il y a tellement de temps. La famille est sacrée. The family is sacred. Dans chaque famille où l'unité ne règne pas, each family where the unity il y a la mort, il y a le maladie, il y a des échecs, il y a le problème qui se multiplie. Parce que le diable aime séparer les gens pour mieux régner. Non, à cause de toi, la parole de Dieu va s'accomplir aujourd'hui. Toi, mon Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que l'éternel Dieu accorde la paix et l'unité dans ta famille. Que le diable qui nous sépare soit rempli de honte. Est-ce que quelqu'un entend? Certaines personnes sont aimées. Some people are happy. Dans leur misaquette. Or, je ne parle pas. Allez, ça va rater. Elle ne me nourrit pas. Non, non, écoutez. Listen. Quand je parle de l'unité dans la famille, je ne parle pas de l'unité. Oh, pas de l'unité. I'm not talking about the friendship. On peut être unis. We could be united. Mais on garde des distances. But keeping some distances. Mais Dieu est pour la séparation, mais Dieu n'est pas pour la division. God is okay for you to be separated. On peut habiter des villes différentes. We could be living in different cities. Mais nous sommes unis. But we are united. Je voudrais dire à toi qui a des ennemis dans ta famille. I would like to say you who is enemies. Allez faire la paix. Please. Garde dans des familles où l'unité ne règne pas. Le diable règne. Keep peace because one is not united, the devil is reigning. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous savez que le diable a peur? Do you know that? Parce que c'est si vous êtes unis. Because if you are united, vous allez avancer. You will go forward. Vous allez évoluer. You will nous grow. Sommes fatigués de voir les mêmes personnes. We are tempted to see the same people. Pour battre leurs frères et leurs sœurs de la même famille. Brothers and sisters. Non. Il faut que l'unité règne au milieu de vous. The unity has to be. Si tu avais la colère de quelqu'un dans ta famille, if you have the anger from your family, si tu es pardonné, toi aussi tu peux pardonner. If God forgave you, you could be forgiven. Prends la place dans ton cœur. Nous avons beaucoup des enfants de Dieu à l'église. We have many people of God. Ils disent nous sommes des enfants de Dieu. God, mais à l'intérieur, nous sommes des enfants de Dieu. Ils sont des personnes qui ne parlent jamais. People not speaking never. Est-ce que je peux avancer? Can I go forward? Est-ce que je peux avancer? Can I go forward? Est-ce qu'on peut avancer? Can we go forward? Bien aimé. Beloved. Toutes ces malédictions viennent. All the curses are coming from where? Josué nous montre. Joshua is saying. And saying. Terach était un occultiste. Terach was someone from the darkness. Terach était un magicien. Was a witch. Le père d'Abraham. The father of Abraham. C'était l'idolâtre. He was a worshipper of idols. C'est what God said. À son enfant. Va m'offrir un holocauste de l'enfant que tu aimes beaucoup. Abraham n'a pas beaucoup posé de questions. Parce qu'Abraham voyait comment son père faisait des because des adorations avec des fruits. Qu'est-ce que je peux dire par là? Like fais attention. Be careful. Là, fais très très attention. Really c'est ce que tu fais des enfants. The what you are doing, your child is saying. Mais fais maintenant. Je veux que tu me suives bien parce que nous allons voler bientôt. I would like you to follow me. Ce que tu fais. What you are doing. Les enfants. Your child. Vont copier cela. Will do the same. Amen, amen. Amen. C'est étonnant.
étonnant de voir les parents chrétiens insulter devant leur enfant. It's astonishing to see parents insulting in front of their child. Mais ton fils ou ta fille va faire la même chose. But your son or daughter will do the same thing. L'éducation que vous donnez à vos enfants vous représente. Are you growing up your child is representing yourself? Tu es là? Are you there? Tu es là? Are you there? Demande à celui qui est à ton côté. Can you say to your neighbor? Éduquez tes enfants. Educated your child. Tu peux le dire bien? Could you say well, educated your child? Amen, amen.